Messieurs les pilotes. Kenny, est-ce que tu roules le bouquet pour le plaisir sur route ouverte avec des amis? C'est une question piège ou pas? Il a pas d'amis. J'ai mon permis depuis pas très longtemps et non, malheureusement, je roule très très peu sur la route. D'accord. Julien, question de Kevin. Quel est ton objectif personnel pour la saison prochaine? Finir les courses. Plus. Il est évident que chaque pilote aime gagner, donc on va espérer les victoires, et si on a des victoires, on aura le titre, donc forcément tout s'enchaîne. Mais c'est sûr qu'on a connu des problèmes de fiabilité, et là on espère que tout va se régler avec la nouvelle moto, voilà, etc. Une année toute neuve, et voilà, on espère le meilleur. Ok, parfait. Grégory, question de Yann Pasco. Pourquoi je suis pris chez Kawa? Non. Que fais-tu pendant la trêve hivernale en guise d'entraînement? Jusqu'au 1er janvier ou après le 1er janvier? Ah, je m'entraîne pas l'hiver, j'entraîne que au mois de janvier. Il soulève les parfaits. D'accord, c'est parfait. Je construis des maisons. Question pour Loris de Johan Tijot. Est-ce que tu seras prêt pour le test de Sepang le 30 janvier suite à ta récente opération? J'espère arrêter de me faire mal et arrêter de tomber un peu. Et repartir sur de bonnes bases et oublier les blessures. D'accord. Ok, merci. Alors, Anthony, quelle moto personnelle possèdes-tu? Alors, moi, j'ai une 450 RMZ. D'accord. Alors, question pour Régis. Quel a été le meilleur jour de ta vie de pilote? Question de François Pierre. 19,99. Bah, c'est un peu... En fait, c'est sûr que le premier Grand Prix automatiquement que j'ai gagné, ça restera toujours quelque chose de plus important dans ma tête. Même si toutes les courses que j'ai gagnées aussi en Superbike, parce que chaque victoire, ça a quand même toujours quelque chose de super sympa. Et mais je pense quand même que le Grand Prix de Valence restera quand même... la course la plus dure, surtout de ma carrière, parce que d'avoir fait du premier tour au dernier tour en tête, ça a été un peu long. Mais bon, j'ai réussi à aller au bout, donc c'était l'essentiel. Ok, merci. Alors, question pour Loris de Augustin Leroy. Bon, en fait, si. Vous demandez à Loris Bass si les rumeurs comme quoi Ducati, ça tombe toujours en panne, sont vraies. Joker. Non, honnêtement, cette année, c'est plus moi qui ai manqué de fiabilité que la moto. D'accord. Mais, surtout mon pied, en fait. Ça doit être une vieille Ducati, mon pied. Mais non, mais les nouvelles, ça va quand même beaucoup mieux. Ok, merci. Alors, Kenny. J'ai pas fini beaucoup de courses. Question de Kylian Gaff. Quelle a été ta plus grosse frayeur en moto? Il a tout le temps peur. Next, mon petit Joker. Ma plus grosse frayeur. Il l'a dit, je crois. En 2010, j'ai fait une année un peu délicate avec des pneus qui n'étaient pas très performants. Et j'ai vécu une très très mauvaise fin d'année parce que j'avais plus envie de rouler, j'avais peur, etc. Donc c'est pas un moment précisément, mais c'est plus une fin de saison qui a été très délicate. D'accord. Alors, Julien, question de Matt Monnier, pratiques-tu d'autres sports mécaniques et en avez-vous d'interdits dans vos contrats? Alors, je fais un peu de motocross, comme un peu tout le monde, je pense. Un peu de voiture aussi sur piste et beaucoup de motos sur le circuit. D'accord. Loris, question de Maxime Boedo. Que penses-tu du retour de Karel Abraham en MotoGP? Penses-tu qu'il prend la place d'un pilote plus doué? On a parlé hier, tiens. Bah, c'est sûr que c'est un sport qui coûte beaucoup d'argent, donc après, les teams et les team managers sont aussi là pour faire... c'est un business pour eux, pour la plupart, avant d'être... voilà, ils font pas ça que pour le plaisir, ils font ça aussi pour gagner leur vie, et les budgets c'est très élevé, donc c'est sûr que voilà, je pense que il est arrivé avec un porte-monnaie qui lui a permis de retrouver sa place, mais il n'est pas autant arrêté que ce qu'on peut le dire. C'est un pilote quand même qui va vite, qui a gagné un Grand Prix en Moto 2, pas beaucoup qui en ont gagné, donc c'est un pilote qui va vite, qui a du talent, mais revient grâce à son porte-monnaie. C'est dommage, mais heureusement en MotoGP il n'a pas autant qu'en F1, mais ça reste un sport mécanique qui coûte énormément d'argent, donc il faut un moment où les teams doivent boucler leur budget, et c'est aussi compréhensible que s'ils ont le choix entre fermer le team ou faire rouler un pilote payant, ils fassent rouler un pilote payant. Ok. Régis, alors là il n'y a pas d'auteur. Bon.
Pourquoi le numéro 55? Ça, c'est assez simple. C'est en fait, c'est là où je suis né. Non, c'est là où je suis né en fait. Donc c'est dans le 55, dans la Meuse. Et en fait, voilà. Donc j'ai gardé ce numéro. Et puis après, une fois qu'on est parti avec, et ben, je voulais pas le changer. Je voulais pas le changer. Vous avez compris. Alors, Anthony, quel métier aurais-tu fait à la place de pilote? Astronaute. Franchement, je sais pas vraiment. Ok, personne qui sait. J'ai fait des études dans. J'ai fait un DUT mesures physiques, donc j'ai essayé de poursuivre des études assez loin. C'est quoi ça? Mais je me voyais pas du tout travailler dans une centrale nucléaire ou faire ce type de boulot, donc c'est vraiment une question très difficile. Tête, en fait. Donc t'es pilote et c'est bien. Voilà, pilote c'est déjà bien. Hein. Alors Grégory, quelle est ta plus belle victoire? La plus belle, on va dire, c'est les 24 heures du Mans 2010 qu'on a gagné avec Julien. Le team venait de se construire et on venait d'arriver dans cette équipe et c'est vrai que ça faisait longtemps que Kawasaki n'avait pas gagné. Et après on enchaînait quand même beaucoup de victoires sur cette Kawa. Donc je pense que pour moi et comme pour Julien, je pense que ça fait partie de notre plus belle victoire. Loris, quel est ton circuit préféré? Il y en a beaucoup, mais celui qui prend le dessus pour la plupart des pilotes, c'est Phillip Island. Pour l'endroit qui est magique, qui est magnifique, mais surtout pour le tracé. Quoi. C'est un circuit très rapide à l'ancienne avec très peu de virages lents. Maintenant, les nouveaux circuits, c'est souvent des circuits un peu typés voiture, avec beaucoup d'épingles et c'est pas là-dedans qu'on s'amuse avec une moto, donc moi j'adore les circuits rapides, donc ouais, Phillip Island, après il y a le Mugello, c'est top aussi, il y a beaucoup de circuits en Angleterre qui sont fantastiques, surtout au championnat anglais, donc moi je me suis vraiment amusé, donc il y a beaucoup de circuits quand même sur lesquels on arrive à se faire plaisir. Okay. Régis, sur quel véhicule motorisé prends-tu le plus de plaisir? Ça dépend quoi, en moto de route ou... Véhicule motorisé. Véhicule motorisé. Ouais. Bah, sur une moto. Ouais, sur la route, franchement, je dirais ça comme ça, parce que la course, c'est différent. Mais je dirais non, sur la route, c'est ma Diavel, parce que c'est une moto qui est belle dans le garage, qui est belle à voir et qui fait plaisir à rouler. Donc franchement, essaie pas de rouler vite, parce que je me traîne complet, comme ça c'est encore plus simple. Parfait. Alors Kenny, quelle moto aimeriez-vous posséder? J'aimerais bien posséder... Ça a coupé, t'es censuré. La première Aprilia de Mac Biaggi en 94, quand il était champion du monde. D'accord. Grégory, combien de temps faut-il pour récupérer d'une course de 24 heures? On va dire que les 2-3 jours après la course, ça va. On va dire, il faut une petite semaine pour enchaîner. De toute façon, généralement, on a souvent une course derrière, donc on n'a pas vraiment le temps de se reposer. Mais après, tout dépend des conditions de course. Si on a bizarrement beaucoup de pluie, c'est plus fatigant psychologiquement que physiquement. Mais je pense qu'ils vont être tous d'accord avec moi. Il faut entre 3 et 3 jours et une petite semaine pour récupérer pleinement. Ouais. Ok, merci. Anthony, combien de temps encore penses-tu faire de la compétition? Ouais, ça, c'est une question déjà qui. La personne qui l'a posée pense que je suis vieux, non? Je me suis fait une croix de fer, regarde. C'est dû à ma coupe de cheveux, j'ai une calvitie précoce. Mais je sais pas, tant que je me suis en forme, tant que je progresse, tant que j'ai ma place dans le top pilote, après, je pense que comme tout le monde, là, dès qu'on régresse et qu'on n'est plus capable de se battre devant, on a peut-être moins envie de rouler, donc je sais pas, peut-être dans 5 ans, 6 ans. Et, ok. Ouais. Ça marche. Alors, question à Régis, tu es un peu plus ancien, un peu plus de recul. Tiens, si tu devais monter un team d'endurance, quel pilote choisirais-tu? J'aime pas l'endurance. Lui aussi. Il a répondu à la question, j'aime pas l'endurance. Non, c'est pas j'aime pas, c'est... moi j'ai jamais voulu rouler en endurance, c'est quelque chose qui me plaisait pas. Donc du coup, franchement, j'ai aucune idée. D'accord. Franchement, là, comme ça... Il a peur la nuit en fait. Ouais, voilà. En fait, j'ai peur tout le temps, moi. Non, franchement, j'ai aucune idée. Autant j'aime regarder les courses, j'aime aller les voir. Mais par contre, ça m'attire pas tant que ça. D'accord. On va faire Julien. La moto, c'est une affaire de famille ou pas? Il y a très peu de pilotes qui ont décidé de faire la moto tout seul. C'est toujours le papa qui est un peu fan ou qui est même dans le milieu. Il y en a beaucoup. Mais oui, moi, pour mon cas, c'était mon père qui était motard depuis toujours, ou son père était motard depuis toujours, donc ouais, c'est vraiment dans les gènes. Ok, merci. Et alors, dernière question, c'est une question un peu particulière, c'est Annie Bourbon qui la pose. C'est une question qui s'adresse à Loris, et elle demande si tu es célibataire. J'allais dire.
Malheureusement, j'ai, je suis avec Freddy, avec Kenny depuis quelques jours et on va inaugurer ça ce soir, vu qu'on a une chambre avec un lit double assez sympa. Donc c'est pour ça, faudrait qu'on parte dans pas longtemps quand même pour aller profiter de cet hôtel. Ok, parfait. Merci. Alors Grégory, 24 heures du Mans ou Val d'Or? Le Mans. Le Mans. Loris, tournée d'Asie ou tournée des bars? Comme par hasard. Bah c'est un peu à la suite, hein. On fait la tournée d'Asie et après c'est la fin de saison, on fait la tournée bars. Non mais la tournée d'Asie quand même. Tournée d'Asie pour Loris. Kenny, Zarco ou Sarko? Zarco. Anthony, asiatique ou européenne? Européenne. On a eu la réponse tout à l'heure, mais je te la pose quand même. Le Mans ou Phillip Island? Philippe Island. Julien, Will Smith ou Bradley Smith? Will Smith. Grégory, Rossi ou Lorenzo? Lorenzo. Rossi. Oui. Lorenzo. Kenny, Brad Binder ou Tinder? Binder. Binder. C'est faux. Grégory, Frento ou Couchetot? Frento et Couchetard. Frento et Couchetard, ok. Kenny, Rihanna ou Beyoncé? Les deux en même temps. Pourquoi choisir Beyoncé. Julien, autoroute A6 ou route 66? Autoroute A6. Loris, alors attention à ce que tu vas dire. Bretagne ou Rhône-Alpes? Les Bretons, ils sont chauds. Hein. La sécurité pour sortir. Ouais, ou pas. T'as vu les bonnets rouges un peu ou pas aux infos? Non, Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, sa région. Régis, MotoGP ou Superbike? 500. Ça va venir, non, ça. Non, pas spécialement 500. Le 4 temps quand même, parce que j'ai aimé les 4 temps. Je dirais Superbike, parce que j'ai eu des meilleurs Superbike que des MotoGP. Ok. Anthony, Manicourt ou Le Castellet? Manicourt. Julien, relais départ ou relais arrivé? Arrivé. Et pour finir, Régis, il a déjà anticipé 2 temps ou 4 temps? Ouais, 4 temps. Voilà. Merci.